À Abéché, une ville située à l'est du Tchad, l'artisanat constitue l'une des activités génératrices de revenus pour les ménages. Dans cette localité, la fabrication artisanale des chaussures, des sacs, des ornements de salon et tant d'autres articles se transmettent de génération en génération. Plus qu'un simple métier, l'artisanat est un patrimoine historique pour cette communauté. J'ai hérité de ce savoir-faire artisanal de mes grands-parents, puisqu'il se transmet de père en fils. Grâce à l'artisanat, j'arrive à subvenir aux besoins de ma famille. Ce métier est une bénédiction et je rends grâce à Dieu. Un artisan qui se perfectionne bien ne manque jamais de travail et trouvera toujours de quoi nourrir sa famille. Très longtemps réservée à un groupe restreint des personnes, la pratique artisanale s'ouvre en tant que métier pour contribuer à lutter contre le chômage des jeunes. Cependant, les artisans sont confrontés aux raretés des matières premières, notamment le cuir, à cause de surexploitation des bétails sur pied vers les pays voisins. Nous utilisons beaucoup de cuir que nous importons des villages environnants pour fabriquer nos articles. Mais cette matière première se raréfie de jour en jour à cause de l'éloignement des troupeaux de bétail de la ville. Nous avons initié une fédération interne pour nous procurer des cuirs, mais elle n'est pas encore fonctionnelle. Nous sommes en difficulté. De nos jours, bien que menacé par la rareté des matières et la faible demande sur les marchés, le secteur de l'artisanat emploie des milliers de personnes et constitue un élément clé du tourisme dans la ville d'Abéché.